Bonjour et bienvenue à tous. On est à la 21e édition des prix Boomerang qui récompense le meilleur en communication numérique au Québec. Cette année, on s'en va directement en coulisses rencontrer les gagnants. Suivez-nous. On parle toujours de 181 projets. J'espère que l'année prochaine, il va en avoir 381 puis que ça va continuer parce qu'il faut alimenter les projets. Il faut que la plateforme elle nourrisse d'autres idées puis d'autres intentions. Puis en fait, le but là-dedans, c'est qu'on ait la plus meilleure ville au monde. Hein, c'est tout ça qu'on veut. Puis on va y arriver. Auto-Québec se renouvelle, évidemment, comme bien les entreprises, a des défis importants à attirer des nouvelles clientèles et à se réinventer. Dans ce contexte-là, ce qu'on a demandé à notre agence, c'est dire comment tu peux nous aider à s'inscrire vraiment dans le domaine du divertissement. L'agence a développé pour nous le concept des stunts et ça a été, comme on peut le voir maintenant, très payant. Les gens ont aimé ce genre d'activation-là et pour nous, ben c'est vraiment donner le bon message et en plus qu'on puisse travailler avec un paquet de gens autour de nous comme ça, c'est extraordinaire. Une industrie qui est un peu vieillotte, je dirais, puis qui a vraiment pas évolué depuis des décennies. Puis on change vraiment les façons de faire, la façon dont le produit est vendu. C'est une industrie qui n'est pas du tout en ligne, qui n'a pas évolué comme les autres catégories de produits de mode. Donc on dérange un peu l'ordre d'établi, puis on est vraiment fiers d'être reconnus pour ça. Sophie a dit souvent que, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de devenir les Aldo de la lunette. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire. Puis, il y a encore beaucoup de travail pour rendre ça encore plus simple, encore plus facile. C'est le fun de voir 45 agences, studios différents être récompensés, de voir plus d'une soixantaine de marques, de voir des équipes monter sur stage par dizaines, par douzaines. C'était vraiment rafraîchissant, encourageant. Puis, bien, on espère qu'on a réussi à donner à l'industrie la tape dans le dos qu'elle méritait en 2015. Et voilà, c'est ce qui met fin à la 21e édition des Prix Boomerang. Bravo à tous et à l'an prochain!